Salut, zami mouen. Jodi a, nan numéro 810, nan rubrique nou an, ma bible, mon trésor, n'ap attiré attention concernant quelques graves conséquences qui genyen sous la vie moun qui pas respecté bon Dieu créateur a. Nan la vie moun qui malheureusement pas cultivé la crainte de Dieu. Attitude ça, Bible la relèl impiété ou bien le mépris pour tout ce qui concerne Dieu. Nous tout connaît déjà qui toute importance le respect ou bien la crainte de Dieu gagne dans la vie de tout homme. D'ailleurs, tout ça ou doit faire pour faire bon Dieu plaisir ou doit faire yo dans la piété et la crainte de Dieu. D'où l'irrespect envers Dieu est un acte de violation de la loi de Dieu. L'irrespect envers Dieu, c'est les yon moun pas d'accord suivre les directives du Saint-Esprit. Et c'est les yon moun attribuer à l'autre divinité la manifestation de la puissance de Dieu. Malheureusement, nous joignons un pile chrétien qui pas respecter bon Dieu dans l'adoration y a bay le Seigneur. Dans façon y a interpréter et pratiquer la parole de Dieu. Nous konn wè gen un pile chrétien qui pas respecter ni moun ni bagay qui consacré à Dieu. Bam li yon nan grave conséquence pour ou même. Romains chapitre 1er verset 21 à 23. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Néhémie qui t'a décrit qui cause qui t'a mené peuple là en captivité dans chapitre 9 dans livre Lia verset 26 là il dit parole ça yo. Néanmoins les Israélites se soulevèrent et se révoltèrent contre Dieu. Ils jetèrent la loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi et ils se livrèrent encore à de grands outrages. Ces attitudes du peuple d'Israël sont des actes d'irrespect envers Dieu. Les nous lit dans 2 Chroniques, chapitre 24, versets 17 à 20. Dans un premier temps, nous trouvons l'attitude coupable et désobéissante des chefs de Juda envers l'Éternel. Ils ont abandonné la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ont al posterné et servi des idoles d'une divinité appelée Astarté. Et deuxièmement, ils ont subi les conséquences parce que texte l'a dit nous, la colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point et les avertissements qu'ils en reçurent. Zami mwen, nou espere ke ou comprenn très bien. Texte sa yo montre nou l'irrespect envers Dieu, le mépris de Dieu, le mépris de la parole de Dieu, toujours attirer la colère de Dieu envers moun ki gen attitude sa. Romains 1er verset 18 rappelle nous que la colère de Dieu est révélée contre toute impiété. Et c'est ça qui fait l'apôtre Paul exhorte le chrétien en Tite chapitre 2 le verset 12 à ne pas vivre dans l'irrespect envers Dieu. 2 Pierre chapitre 2 le verset 6, l'apôtre prend le soin de rappeler que Sodome et Gomorrhe ont été détruits parce qu'ils vivaient dans l'impiété. Ils étaient allés à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est vrai, zami mouen, ou gen le choix entre eux, le respect ou bien l'irrespect envers Dieu. Mais quelle que soit la décision que vous prenez
l'a gagné de graves conséquences dans la vie. Et si de tout cœur, ou prend décision pour vivre et expérimenter les bénédictions de Dieu dans votre vie, nous exhortons, t'en prie, cultivez la crainte de Dieu, le respect envers Dieu, la piété chrétienne. Pas oublier nos amis moins, ou même qui gagne oreilles pour tendez, tendez. À la prochaine.